L'igloo de Zou. Bonjour, Puck. Hein? Pourquoi il y a autant de lumière aujourd'hui? Oh, Puck! Viens voir ça! Regarde toute cette neige! Tu vas voir, on va passer une super journée! On va bien s'amuser dans la neige! Oh! T'as vu ça, Puck? Il est tombé tellement de neige qu'on peut même pas sortir de la maison! Ça y est, j'ai une idée! Oh! Je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie! Oh! Nanou? Dis-moi, Zou, pourquoi fait-il frisquet comme ça? Regarde, Nanou, toute la neige! Oh! Oh, cela explique tout! Je crois que je vais retourner me coucher bien au chaud dans mon lit. Bonjour, Zou. Je pensais que tu étais déjà en train de jouer dans la neige. On est bloqué ici. Oh non, il faut absolument que j'aille faire les courses. Comment je vais faire pour sortir? Je pense qu'il faudrait enlever la neige. Tu as raison, c'est une très bonne idée. Ça y est, c'est fini. Ouf, c'était plus long que je ne le pensais. Heureusement que tu étais là pour m'aider, Zou. Le devant de la maison est dégagé maintenant. Reste à s'occuper de la voiture. À ton service. Non, merci mon chéri, je vais pouvoir le faire tout seul. Mais papy est en train de déblayer la porte de derrière. Il a sûrement besoin d'aide. D'accord. Papy, est-ce que tu as besoin de moi? Oh, oui, s'il te plaît, Zou. C'est un travail fatigant. Il commence à faire vraiment très froid ici, avec toutes ces portes qu'on laisse ouvertes. À l'avenir, pensez à bien les fermer. D'accord, je suis désolée, mamie. Bon courage. Il y a tellement de neige ici qu'on ferait aussi bien de vivre dans un igloo. Il y ferait plus chaud. Un igloo? Qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui est faite en neige. Alors pourquoi il y ferait plus chaud? Parce qu'une fois qu'on est dedans, l'air se réchauffe et ne peut plus s'en échapper. Ah, c'est vrai? Super! Je cherche une image d'igloo, Puck. Il devrait y en avoir une dans ce livre. Là! Waouh! C'est à ça que ça ressemble un igloo! Ça ferait un super repère pour jouer! Et on a plein de neige pour en construire un! Mais... Oh, ils ne disent pas comment il faut faire. Ça ne doit pas être bien compliqué. Voilà l'endroit parfait pour construire l'igloo, Puck. Mais par quoi je commence? Un igloo à la forme d'un dôme. Alors on va commencer par faire un dôme. Bon, là j'ai un dôme. Mais je peux pas encore y entrer. Je vais devoir creuser dedans. La neige est trop tassée, Puck. J'y arrive pas, elle est trop dure. Et je commence à avoir froid aux mains. Allez, rentrons nous réchauffer à la maison. On ressortira plus tard pour faire un autre essai. Tiens, Zou, ça va te réchauffer. Ah, merci, mamie. Une fois qu'on sera bien réchauffés tous les deux, on ressortira pour essayer de faire un autre igloo. Zou, tu es vraiment sûre de vouloir retourner dans la neige? Oui, mamie, je veux absolument réussir à construire mon igloo. Je viens d'avoir une idée pour améliorer ma technique. On va recommencer ici.
comment faire pour construire un igloo. Prends un biscuit, Zou. Ils sont tout chauds. Oh, merci, mamie. Un cercle. Je me demande si... Et voilà, la première couche est faite. À la suivante, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Oh non, ça ne va pas du tout. Il y a des trous partout dans le mur. Ça veut dire que le froid va pouvoir entrer à l'intérieur. Et moi qui croyais avoir trouvé la solution. Tu vas vite te réchauffer, mon petit Zou. C'est la plus chaude de mes écharpes. Je voulais tellement faire un igloo, mamie. Comme ça, j'aurais pu rester dehors dans la neige toute la journée. Oh, alors tu abandonnes? Je ne sais pas encore. Zou, je croyais que tu construisais un igloo. J'ai essayé plusieurs fois, papy, mais je n'y suis jamais arrivée. J'ai d'abord construit un dôme, et puis un mur, et j'ai même essayé avec des boules de neige. Des briques! Quoi, comment ça? Tu devrais utiliser des briques. Des briques de neige, bien sûr. Mais oui, comme pour les maisons. Elles n'ont pas de trous, et en plus, elles sont très solides. Oui, c'est une très bonne idée. Mais comment est-ce qu'on fait des briques? Mais tu devrais peut-être commencer par chercher de quoi faire un moule. Qu'est-ce qui pourrait servir de moule pour faire des briques? Cette boîte à chaussures a la bonne forme. Le problème, c'est qu'elle est en carton. Elle deviendra vite toute molle. Hein? Ma trousse ferait peut-être l'affaire. Non, elle n'est pas assez rigide. Ah ah! Ça y est, je sais! Je vais me servir de ma pelle et de mon seau. Cette fois, on va faire notre igloo en un rien de temps, Poc. Tu vas voir, Poc. Cette fois-ci, c'est la bonne. Super. Tu vois, ça marche comme ça. Hein? Oh, ça chatouille. Oh non, maintenant cette neige va remplir mon igloo avant que j'aie pu le finir. N'abandonne pas, Zou. Attends que je t'explique l'idée qui m'est venue. Comme il neige, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette tente. On peut la monter et s'asseoir à l'intérieur en attendant que la neige cesse de tomber. Ah, c'est une super bonne idée, papy. Même si ce ne sera pas la même chose qu'un vrai igloo. Voilà, ça y est. On peut rentrer dedans. Oh, il fait plus froid que je ne le pensais. Il fait beaucoup moins chaud que dans un igloo. On devrait peut-être rentrer. Hé, papy, regarde! Oh ben ça alors! Ça ressemble presque à un igloo. S'il continue de neiger, ce sera vraiment un igloo. Je vais aller chercher Elsée. Pendant que tu fais ça, je vais nous préparer un bon chocolat chaud. Regarde! Waouh! C'est incroyable, Zou! Comment t'as fait ça? Papy m'a aidé. Maintenant, on peut jouer dans la neige en étant bien au chaud dans mon igloo. Viens! Il fait bien moins froid ici que dehors. Je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr, papy. Oh. Ah. Je suis venu vous apporter des chocolats chauds et des tartines beurrées. Miam, miam! J'adore mon igloo. Il est incroyable! Il fait trop chaud là-haut, Poc. Tu devrais peut-être sortir un peu pour te rafraîchir. Rires.